C'est bon. Bonjour, monsieur Guéret. Mon père est dans le salon, il vous attend. Alors comme ça, vous travaillez depuis 3 mois sur ce projet, et c'est aujourd'hui que je l'apprends. Mais je sais bien que c'est une idée de mon fils. Justement, c'est pour ça que vous auriez dû m'en parler. Quoi? Le patron, c'est moi, monsieur Colberti. Oh, je vous en prie. Épargnez-moi vos jérémiades. Vous allez me faire le plaisir de tout arrêter immédiatement. Mon usine fabrique des parfums. Et pas vos cochonneries. Oui, dites à mon fils que c'est un ordre. Au revoir, monsieur Colberti. Bonjour, monsieur Guéret. Vous avez passé une bonne journée? Je n'ai connu de meilleure, Camille. Vous avez tort de vous énerver comme ça, vous savez. C'est à cause de mon fils. Il se comporte comme si j'étais déjà mort et enterré. Et vos douleurs, elles sont un peu calmées? À peine, Camille, à peine. Votre morphine fait de moins en moins d'effet. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de ce soir, on double la dose. Vous ne souffrirez plus. Mon état a empiré, c'est ça? Mais au contraire. Si vous pouvez supporter un traitement plus fort, c'est bon signe, croyez-moi. Allez. Je la pose sur la table? Oh, n'importe où, à la poubelle, si vous voulez. C'est tout ce que ça vaut. Allons, on y va. Doucement. Délice aujourd'hui. Comme vous êtes gentille, ça me change de l'hôpital. J'ai pas de mérite, vous savez. À l'hôpital, il n'y a pas un jardin aussi fleuri que le vôtre. Vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est que demain, vous alliez cueillir des roses rouges. Vous savez, celles qui sont derrière la maison. Figurez-vous que c'est mon grand-père qui a planté ce rosier, il y a près de 100 ans. Il l'avait rapporté lui-même de Chine. Un hybride de polyanta. C'est à partir de cette variété qu'il a créé son premier parfum. C'est une belle histoire. Avec cette nouvelle dose, vous allez être vraiment soulagé. Soulagé de quoi? J'en peux plus, Camille. J'en peux plus. C'est chaque jour un peu plus difficile de marcher, de respirer. C'est pas de la vie, mon petit, c'est de la survie. Dites pas ça, monsieur Guéret. Vous savez même plus où piquer. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien trouvé une petite place. Si vous faisiez la dernière aujourd'hui, la dernière piqûre et qu'on n'en parle plus. Je suis désolée. C'est une le matin et une le soir. Vous n'y couperez pas. Vous savez très bien ce que je veux dire, Camille. Écoutez, monsieur Guéret, ne recommencez pas. C'est trop difficile ce que vous me demandez là. Allez, Camille. Aidez-moi à partir. Là. Tout de suite.
de Leuze. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai déjà dit que je voulais plus vous voir. Cette fois, j'ai réuni tout ce que je pouvais. C'est une belle somme, regardez, 200 000 francs. Insistez pas, c'est non. Mais réfléchissez tout ce que vous pourriez faire avec ça. Vous êtes jeune, vous pourriez tout recommencer à zéro. Mais vous êtes complètement fou. Allez-vous-en. Dépêche-toi, mon grand, tu vas être en retard au lycée. Ouais, t'as raison, faut que je me grouille. T'as ressorti les vieux monstres du placard? Je croyais qu'il était complètement ringard, ce blouson. Non, il n'est pas si moche que ça, finalement. Quand je pense que tu m'as fait courir les boutiques pendant des semaines pour en trouver un autre, il te plaît plus? Mais non, c'est pas ça. J'ai fait des taches dessus en TP de chimie. Je l'ai amené chez le teinturier. Finalement, je trouve qu'il te va mieux, celui-là. Je sais, tu me l'as déjà dit. Toujours aussi aimable, toi. Hein? Dis donc, tu vas me rendre un petit service en sortant du lycée. Tu vas passer chez le boucher. Tu sais, j'y connais pas grand-chose en viande. Non, mais je te demande pas de choisir de la viande ni acheter un gigot. Je te demande juste de passer prendre la commande. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à payer. Puis ne fais pas cette tête-là chaque fois que je te demande quelque chose, Nicolas. Je cache ma joie, moi. Ouais. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aussi vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tous les matins, je suis venu lui rendre visite et j'ai été surpris parce que d'habitude, à cette heure-ci, il est déjà au salon dans son fauteuil. Alors je suis venu dans sa chambre. Puis voilà, quoi, je vous ai appelé. La mort remonte à plusieurs heures, probablement hier soir. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Il était devenu tellement faible. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça, au moins il n'a pas trop souffert. Monsieur Guéret, votre père était très diminué, c'est vrai, mais en aucun cas il était en phase terminale. Sa mort est beaucoup trop subite, c'est pas normal. Faudrait prévenir la gendarmerie. Les gendarmes? Pourquoi vous pensez qu'ils vont le ressusciter? Sincèrement, je ne ferai pas mon métier si je donne le permis d'inhumer. Mais enfin, c'est ridicule, docteur, son cœur s'est arrêté de battre, c'est tout. Le téléphone, c'est bien dans le salon? C'est moi qui vous ai appelé. Adjudant, chef Laurent. Vous en prie, entrez. Où se trouve le corps? Là-bas, dans la chambre. Vous êtes le médecin de famille? Non, j'exerce à l'hôpital Saint-Charles. Louis Guéret a fait plusieurs séjours dans mon service. Il avait un cancer. Tout naturellement, je continue à le suivre. C'est vous qui avez constaté la mort? Non, non, c'est son fils, il m'a tout de suite appelé. Monsieur Guéret, je vous présente toutes mes condoléances. Je suis l'adjudant-chef, Laurent. Les parfums Guéret, c'est votre famille? Oui, c'était mon père et mon grand-père avant lui. Ces derniers temps, je n'avais plus beaucoup d'espoir. Il était vraiment devenu très faible. Alors, Platon? En première vue, pas de traces de coups, pas de plaies. Si ce n'est oubliure des coudes. Les marques laissées par les injections, j'imagine. En effet. À quelle heure remonte la mort? Je ne suis pas légiste, mais je dirais... À mon avis, une douzaine d'heures. Merci, docteur. Est-ce que votre père attendait de la visite hier soir? Par l'infirmière qui lui a fait ses injections, non, pas que je sache. Très bien. Pardon. Vous avez constaté des traces d'effraction, des objets volés? Sincèrement, je n'ai pas eu la tête à vérifier tout ça. Hein. Bon, je fais le tour de la maison intérieure et extérieure. On ne sait jamais. Très bien, Platon. Docteur Morel, excusez-moi. Pourquoi dites-vous que la mort de Monsieur Guéret vous paraît anormale? Bien, écoutez, je venais de lui faire passer une série d'examens à l'hôpital et dans l'ensemble, les résultats étaient plutôt encourageants. J'avais simplement demandé à l'infirmière à ce qu'elle augmente les doses de morphine pour des raisons de confort, simplement. Elle avait commencé le traitement hier soir. Où entrepose-t-elle son matériel? Dans une armoire de la salle de bain avec tous les autres médicaments. Je vais jeter un coup d'œil. Allez-y. Vous la connaissez bien, cette infirmière? Ah oui, oui, c'est Camille Deleuze. Autrefois, elle travaillait dans mon service. Et puis là, elle s'est mise à son compte et c'est moi-même qui l'ai indiqué à M. Guéret. C'est une femme formidable. En ce moment, nous l'hébergeons, ma femme et moi, de temps 80 appartements.
Je trouvais que ça, un flacon vide et des seringues neuves. Non, mais ça, c'est pas le flacon que j'ai prescrit. Ça, c'est un flacon qui ne fait que 10 millilitres. C'est les anciens qu'on utilisait avant. Les nouveaux font 20 millilitres de morphine. Donc, si j'ai bien compris, cette infirmière a entamé un flacon de 20 millilitres pour faire une injection avec une de ces seringues. Ben oui, c'est ce qui est indiqué sur l'ordonnance. Donc, ce matin, on aurait dû trouver un flacon de 20 millilitres, pas de 10 millilitres, plus une seringue usagée. Tout à fait. Où se trouve le flacon et la seringue? Elle les aura peut-être jetés. Le mieux, ce serait de lui demander. À quelle heure doit-elle venir, monsieur Guéret? D'habitude, elle vient à 9h, mais ce matin, elle a laissé un message sur le répondeur pour dire qu'elle passerait plus tard. On peut l'écouter? Oui, bien sûr, venez. C'est la première fois qu'elle ne vient pas pour cette piqûre. Bonjour, monsieur Guéret, c'est Camille. J'ai un rendez-vous de dernière minute. Je pourrais passer donc en début d'après-midi. Voilà. N'oubliez pas de prendre vos comprimés vers 10h. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Ce n'est pas très professionnel. Mais j'ai une idée. Oui, chérie, c'est moi. Dis donc, est-ce que Camille est près de toi? D'accord. Bon, très bien, merci, je t'embrasse. Elle a eu un empêchement. Elle a dû aller à un rendez-vous dans un café en face du lycée. Ah bon? Je vous remercie. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je retourne à l'hôpital. Très bien. J'appelle le procureur pour l'autopsie. À plus tard, monsieur Guéret. Platon, vous avez trouvé quelque chose? Peut-être. Attention, Francis. Regardez ces traces de pas. Elles vont de la grille jusqu'à ce parterre de fleurs. Et ensuite, pardon, elles continuent sur ces dalles. Regardez. Et jusqu'à la fenêtre. Bah, à tous les coups, c'est le jardinier. Un jardinier qui se serait posté juste devant la fenêtre de la chambre de son patron le soir de sa mort. J'avais pas pensé à ça, Francis. T'en déduis quoi, alors? Rien, c'est juste un constat. Mais si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais quand même faire un moulage de ces empreintes. À tout à l'heure, Platon. Il me cherche, là? Mais non. Allez, venez, on va s'occuper de cette infirmière. Essayez de me trouver des infos sur elle. Bonjour, Camille. Vous m'attendez depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Ah. Bonjour, Noël. Madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. J'avais peur que vous ne veniez pas. J'ai un de ces tracs. Oh, c'est normal. Mais vous en faites pas, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Vous croyez qu'il va me reconnaître? Parce que la prison, c'est pas vraiment un institut de beauté. Vous êtes très jolie. Et maintenant, vous êtes libre? La page est tournée? J'espère. Vous savez, à la DAS, il nous arrive souvent de placer des enfants dans des familles d'accueil en sachant très bien qu'ils ne reverront jamais leurs parents. Mais pour vous, c'est différent. C'est juste un incident de parcours. Merci, Noël. Moi, vous ne me jugez pas, vous. Ça fait du bien. Et voilà le café. Ah, merci. Non, laissez Noël, c'est pour moi. Voilà, ça va pas. Non, ça va pas. C'est pas assez, les cafés, c'est plus cher, vous savez. Mais c'est marqué 2,25. Oui, mais c'est 2,25 euros. Ah, excusez-moi, je suis pas encore habituée. Camille, regardez, les élèves commencent à sortir. C'est lui? Mathieu? Manu! Mathieu, écoute-moi. Oui? Tu vois la dame là-bas? C'est ta mère. On va aller la voir ensemble. J'ai pas envie. Je veux rester avec toi, Manu. C'est pas possible, Mathieu. Faut que tu comprennes. C'est elle, ta vraie maman. Tu m'aimes plus, alors? Oh, si, je t'aime. Fort. Très fort. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, madame. Bonjour. Noël a téléphoné ce matin. Le juge a donné son accord pour que Mathieu rencontre sa mère. Elle nous attend en face.
Bon, bah, salut. Salut. Cette fois, on va le perdre pour de bon, notre Mathieu. Mais attends, c'est pas encore fait. Et puis, c'est qu'une rencontre. Peut-être qu'elle voudrait bien qu'on continue à le voir. Ce sera plus comme avant. Attends, je peux venir avec toi? Non, je préfère que tu rentres à la maison. Ouais, c'est ça, on n'a jamais besoin de moi, comme d'habitude. Oh Mathieu, mon petit Mathieu, oh mon chéri. Oh, merci, madame Vasily. Je sais à quel point vous vous êtes bien occupée de lui. On va apprendre à se connaître maintenant tous les deux, d'accord? Tu vas bien? Certains jours, il n'est pas évident notre boulot. Mettre en prison. Tu sais, c'est pas parce qu'on est emmené par les gendarmes qu'on a forcément fait quelque chose de mal. Vous croyez que ça va être une vie pour son fils, si elle a toujours des ennuis avec la justice? Vous n'avez pas entendu. Ils ont besoin d'un témoignage, c'est tout. Et si vous préveniez le juge Noël? Lui dire que les gendarmes sont venus la chercher, il va peut-être me redonner Mathieu. J'ai déjà fait beaucoup pour vous. Beaucoup trop. Je suis désolée d'avoir dû intervenir à un moment pareil dans votre vie, mais nous avions besoin de votre témoignage. Est-ce que vous connaissez cet homme? Bien sûr, c'est M. Guéret. Je vais chez lui deux fois par jour pour le soigner. D'ailleurs, je devrais y aller maintenant. Malheureusement, ce ne sera plus la peine, M. Guéret est mort. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il est décédé hier soir, juste après votre départ. Enfin, mais c'est pas possible. Il venait de s'endormir quand je suis partie. Donc quelles sont les circonstances de la mort selon vous? Ben, je sais pas, je suis pas médecin. Une embolie peut-être, ça arrive parfois. Donc il serait mort de cause naturelle? Oui, sans doute, oui. Mais en quoi ça me concerne? Madame Deleuze, vous venez de faire 5 ans de prison pour avoir pratiqué l'euthanasie sur un patient à l'hôpital Saint-Charles. Et vous venez juste d'être libérée, n'est-ce pas? Ce malade, c'était mon père. Il était en phase terminale d'un cancer généralisé. Il souffrait le martyr. Un jour, j'ai craqué. De toute façon, il en avait plus pour quelques jours, j'en suis certaine. Monsieur Guéret aussi, vous pensiez qu'il n'en avait plus pour quelques jours? Enfin, c'est horrible ce que vous me dites, ça n'est même pas venu à l'idée. 5 ans de prison pour ce que j'ai fait à mon père, vous pensez tout de même pas que j'avais l'intention de recommencer? Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de récupérer Mathieu, mon fils, c'est tout. Racontez-nous votre visite hier soir chez M. Guéret. Mais d'abord, dans l'après-midi, je suis passée à l'hôpital pour prendre la nouvelle ordonnance avec les produits. Il fallait doubler les doses. Ensuite, je suis arrivée chez M. Guéret vers 18h et je lui ai fait son injection. Avec une seringue comme celle-là? Exactement. Et ce produit-là? Ah non. Non, ça c'était la prescription d'avant. Après l'injection, où avez-vous posé la seringue usagée et le nouveau flacon de morphine? Ben, la seringue, je l'ai jetée, évidemment. Et le flacon, je l'ai rangé dans l'armoire à pharmacie, comme d'habitude. L'ennui, c'est qu'on n'a rien retrouvé. Ni dans la poubelle, ni dans l'armoire. Je me rappelle bien ce que j'ai fait. On a un problème, madame. Où est le nouveau flacon de morphine? Je sais pas, moi. Pour rentrer dans la maison, j'utilise une clé cachée sous une pierre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui connaissait la cachette. Très bien, je vous remercie, madame Deleuze. Vous êtes libre. Je vous demanderai de rester à notre disposition et de ne pas quitter la ville.
Vous habitez chez le docteur Morel, je crois. Oui. Je cherche un appartement pour moi et mon fils. Et en attendant, le docteur Morel et sa femme m'hébergent. Ils sont vraiment très, très gentils avec moi. Vous savez, c'est pas facile de se retrouver en liberté du jour au lendemain. Je vais vous raccompagner. Allez-y, allez. Au revoir, madame. Au revoir. Dis-moi, tu n'as pas mis cette femme en garde à vue? Nous n'avons rien contre elle pour le moment, enfin, pour l'instant. C'est une professionnelle de l'euthanasie, tu es au courant? Oui. Ce que je sais, c'est qu'elle a été condamnée pour avoir aidé son père à mourir. Oui, tu oublies qu'elle a aussi été accusée de plusieurs autres euthanasies. Oui, mais elle a bénéficié d'un non-lieu, Philippe. Surtout bénéficié d'un flou total. Et si elle n'avait pas été prise en flagrant délit avec son père, elle n'aurait même jamais été inquiétée. Je vais pas t'apprendre comment ça se passe. Une petite piqûre de potassium, ni vu ni connu, indétectable dans le sang, et hop, ça y est, le tour est joué. Ce sont des morts qui ne laissent pas de traces. Oui, mais je ne peux pas m'appuyer sur des hypothèses qui n'ont jamais été confirmées. Fais-toi transmettre le dossier d'instruction, tu verras, c'est édifiant. Chaque fois qu'il y a eu une mort suspecte à l'hôpital Saint-Charles, c'est Camille Deleuze qui était de service. Sa culpabilité n'a jamais été prouvée. Et puis je vois mal une femme qui vient de purger 5 ans de prison se remettre à nouveau en danger, alors que sa seule idée, c'est de récupérer son fils pour vivre avec lui. Justement, peut-être qu'elle a besoin d'argent. Et puis suppose que quelqu'un lui ait proposé une grosse somme. Hein? Dis-moi, à propos, elle a toujours le droit d'être infirmière malgré sa condamnation? Son interdiction d'exercer a été en partie couverte par sa période de détention. Donc la réponse est oui. Elle peut à nouveau exercer à condition de suivre un stage à l'hôpital, ce qu'elle fait. Si j'étais toi, je vérifierais quand même son compte en banque. Et tiens-moi au courant, s'il te plaît. Oui, mon capitaine. T'avais dit que tu me ficherais la paix. Oui, quand il me va bien ton blouson. Très classe, vraiment. Si c'est pour narguer, tu perds ton temps, vas-y, fous le camp. Oh, mais c'est qui s'énerve, notre petit homme? Arrête, tu vas finir par me faire peur. Par là, chez toi. Vas-y, mais arrête. Si tu continues à me suivre, je te promets, je vais te raconter. Plutôt dégonflé pour un fils de keuf. Mais laisse-moi tomber, vas-y, mais casse-toi, j'ai pas peur de toi. Il est pas terrible, celui-là, hein? Mais tant mieux, vas-y. Oh, cool. Relax, je suis habillé pour l'hiver, t'as rien à craindre. Par contre, tu vois, un peu de thune, je serais pas contre. J'ai rien sur moi. Et ça, c'est quoi? Vas-y, arrête, déconne pas, c'est pas à moi. Bah, tu remercieras celui qui te l'a donné. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Vous êtes là? Bonsoir, Camille. Bonsoir, ça va? Très bien. Salut, chérie. Salut. Vous avez accroché tes dernières photos? Elles sont belles, hein? Ah, génial, surtout celle-là. Et dans celle-ci, il y a une telle intensité dans le regard de ce gosse, et... Ouais, ça se joue à un millième de seconde. Il faut un peu de chance aussi. Oui, un petit peu de talent aussi, quand même. Beaucoup de talent, je dirais. Tu sais que Camille a été interrogée par les gendarmes? Oui, j'en doutais. Ça s'est bien passé, au moins? J'aurais tout expliqué, mais j'ai l'impression qu'il me croit pas. Enfin, Camille, réfléchissons. T'es bien sûr d'avoir mis la morphine dans la main en pharmacie? Oui, c'est un automatisme. Je range toujours tout avant de partir. Et je laisserai quand même pas traîner des choses comme ça. Mais j'entends bien, mais à un moment de distraction, ça arrive à tout le monde. Bah, c'est ce que m'ont dit les gendarmes. Je vais quand même pas mentir. Arrête de l'ennuyer avec tes questions. Non, j'essaie de comprendre, c'est tout. Peut-être que le vieux s'est fait une piqûre tout seul, après tout. Il pouvait à peine tenir sa fourchette pour manger, alors se faire une injection. Quoi qu'il en soit, ça explique pas la disparition du flacon et de la seringue. Chérie, c'est ta faute aussi. Pourquoi t'as refusé le permis d'inhumer? T'aurais dû douter Camille avec son passé. Ah, je sais pas ce qui m'a pris. C'était comme un réflexe. C'est le fils Guéret qui m'a énervé aussi. Pour lui, la mort de son père, c'était normal. Moi, j'aimais bien ce vieil homme. Ça faisait longtemps que je suivais, j'aurais été content qu'il s'en sorte. En tout cas, s'il s'agit d'un meurtre, laissons les gendarmes faire leur enquête. J'ai pas envie de me faire du souci pour eux. En attendant, ils t'ont gâché ta journée avec Mathieu. Mais je suis sûre que tu vas le récupérer très vite. Bon, je sais pas. J'ai laissé un message à la DAS, l'assistante sociale doit me rappeler, mais... En tout cas, sa chambre est prête. Viens, je vais te la montrer. Nicolas?
Nicolas ! Nicolas, tu entends pas que je t'appelle ? Ah, excuse, j'étais concentrée sur un problème de maths. Mon fils concentré sur un problème de maths. Ah bah, j'aimerais bien voir ça, tiens. Bah, les identités remarquables, faut les apprendre par cœur. Tiens, ça t'ennuie pas de me les faire réciter ? Alors, tu vois, là, Nicolas, je vais te paraître très terre à terre, mais je n'ai pas trouvé le gigot dans le réfrigérateur. Ben, en fait, je crois que tu vas pas bien le prendre. Tu n'es pas passé chez le boucher, c'est ça ? Pire. Je n'ai pas le temps pour les devinettes, Nicolas. Bah, le billet que tu m'as donné ce matin, je l'ai perdu. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête en ce moment ? On peut rien te demander. Tu m'en veux beaucoup ? Oh, il n'est pas tombé tout seul, ce billet, Nicolas. Tu l'avais mis dans une poche fermée. Bah, je vais te dire la vérité. Tu vois, dans ma classe, il y a une fille qui fait de l'équitation. Et dans son club, il y a un cheval qu'elle aime beaucoup. Mais il paraît qu'il est trop vieux pour continuer à travailler. Et son moniteur lui a dit qu'il allait partir à la boucherie. Et alors ? Bah, elle veut le racheter pour le sauver. Et aujourd'hui, comme elle avait pas assez d'argent, elle a organisé une collecte dans le lycée. Et elle va réussir à le sauver, son cheval ? Ouais, on espère. Il lui manquait plus grand-chose. Mais t'aurais fait comme moi. Oh, bah, bien sûr. Donc, à cause du cheval de ton ami, on n'a rien à manger ce soir. Ah, merde. J'avais pas prévu ça. Bon, bah, on va au resto, alors. Bonsoir. Oh, bonsoir, Christine. Vous avez l'air en pleine forme. Ah, je me sens revivre depuis que je travaille. Vous savez, c'est passionnant, une galerie de peinture. Je rencontre des collectionneurs, des artistes. Je suis désolée, on doit partir, on est en retard. Hein? On en reparlera plus tard. D'accord. Bonne soirée. La journée s'est bien passée? Oh, super. On a eu un client cet après-midi, tu devineras jamais. Ah. Et il arrivait dans un short tout crasseux, avec un t-shirt à trous, des sandales. Oh là là, si t'avais vu, ça dégaine. Ah, ça y est, la voiture est arrivée, tiens, lis. Ah bon ? C'est la lettre du concessionnaire. Oh, ben c'est génial. Oui, alors, tu sais, il est arrivé devant un tableau qui coûtait une fortune et puis il me demande combien. Alors moi, je fais, avec un petit sourire en coin, 200 000, puis ça dégaine. Alors tu me croiras si tu veux, mais il sort de son short une liasse de billets, il y avait au moins le double. Non, c'est pas vrai, regarde. Pour nous excuser du retard de livraison, nous vous offrons l'option TO. Taux l'ondulé ? Non, toi ouvrant. C'est sympa. Alors écoute, je vais te finir mon histoire. Quelle histoire ? Ah oui, celle de ton type avec le short. Il l'a acheté ou pas, ça va ? Mais attends, tu vas trop vite. Vas-y, je t'écoute. Ben voilà, maintenant je sais plus où j'en étais. Les billets. Ah oui, oui, oui. Alors devant tous ces billets, moi j'ai pas su quoi faire. Tu sais, je suis allée voir mon patron. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Enfin, Christine, ce client, c'est notre plus gros chiffre d'affaires depuis un an. Tu te rends compte ? Je me demande si on va l'emmener au garage du coin pour la révision. Marc, ça serait plus pratique. Mais j'ai entendu dire que ce type, il était pas très sérieux. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais vas-y, vas-y, hein, je parle dans le vide, hein, c'est pas grave. Hein. Ma carrière, ma vie professionnelle, t'en as rien à faire. Hein. Je suis tout juste bonne à faire la popote, hein, c'est ça ? Puisque t'en parles, j'ai faim. Oh, calme-toi, Joe. Ton petit macho, il va t'aider à faire la cuisine. Oui, oui, oui. Bonjour, Platon. Bonjour, adjudant chef. Alors, ces empreintes, vous avez pu les identifier ou pas ? Oui, bonne nouvelle. J'ai réussi à trouver la marque et le modèle. Il s'agit d'une paire de Running tout-terrain pointure 42. Ah bah, on n'est pas plus avancé alors, parce que tout le monde porte ce genre de chaussures de nos jours. Ce sont des tennis. Ah non, 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 c'est des Running de nuance, regardez. Ce modèle vient de sortir sur le marché en série limitée. Quand je dis limitée, il y a quand même une bonne centaine de paires qui circulent dans la région. Elles ne circulent pas toutes seules. Elles ont des propriétaires. Parce qu'il faudrait que j'aille faire le tour de tous les magasins de sport qui vendent ce modèle. Bah, c'est une excellente idée, ça, Platon. Et puis, si ça se trouve, la plupart des clients ont acheté ces chaussures en payant par chèque ou par carte bleue. Avec un peu de chance, c'est peut-être le cas de notre client à nous. Mais c'est un vrai travail de fourmi que vous me demandez, là. Vous vous en rendez compte ? Oui. Vous avez une meilleure idée ? Oui. Non, vous avez raison, c'est une excellente idée. Je vous remercie, adjudant-chef. De rien. Et bonne chance. Merci. Bonjour, messieurs. Ah, Isabelle, vous tombez bien. Tenez, on vient de recevoir le rapport de l'autopsie de Louis Guéret. Lisez. Ah, bah, d'accord. Avec une telle dose de morphine dans le sang, on peut définitivement écarter l'hypothèse d'une mort naturelle. Vous avez vu à quelle heure il est mort, hein ? Entre 18h et 18h30. Oui. Ce qui voudrait dire que Camille Deleuze était probablement présente à l'heure du décès. Moi, je dirais plutôt à l'heure du meurtre.
serait d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un geste prémédité, d'une mort programmée. Ok, je vais voir ça de plus près. Attendez, j'ai pas fini. Je me suis procuré également son relevé de compte bancaire. Elle a reçu un virement de 50 000 francs. Vous avez vu, de la part de qui? De Louis Guéret. Merci, monsieur. Je vous en prie. Chérie, t'essaies de pas rentrer trop tard, on a un dîner chez les Darras. Oh merde, j'avais complètement oublié. Oh, dis donc, ça tombe mal, c'est mon jour de consultation. Tu veux pas les appeler pour leur dire qu'on sera un peu en retard? Comme d'habitude. Allez, bon, je me dépêche. Bonjour, docteur. Bonjour. Madame. Bonjour. Valérie, ma femme. Enchantée, madame. Est-ce que votre amie Camille est là? Oui, bien sûr. Elle est dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin d'avoir quelques renseignements complémentaires sur les circonstances du décès de M. Guéret. On sait tout de même pas que Camille puisse être mêlée à cette histoire. Tout ce que je peux vous dire, docteur, c'est que vous avez bien fait de refuser le permis d'inhumer. En tout cas, Camille a toute ma confiance et il est impossible qu'il ait pu commettre une telle erreur. Nous allons lui demander. Bon, moi, je vous laisse. On m'attend à l'hôpital. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Venez. Je vais aller la chercher, elle doit être dans sa chambre. S'il vous plaît, la brusquez pas. Elle est tellement malheureuse d'avoir pas récupéré son petit Mathieu. Écoutez, madame Morel, votre présence ne sera pas obligatoire pendant cet interrogatoire, d'accord? D'accord. Merci. Madame Deleuze, à quelle heure êtes-vous arrivée chez monsieur Guéret avant-hier soir? Vers 18h. À quelle heure en êtes-vous partie? Environ 20 à 25 minutes plus tard, j'ai pas regardé ma montre. Vous n'avez vu personne? Quelqu'un qui aurait pu vous observer par la fenêtre, par exemple? Mais comment voulez-vous? J'étais dos à la fenêtre. Donc vous n'avez vu personne? Si, maintenant ça me revient. En fait, quand je suis arrivée, j'ai croisé son fils qui s'en allait. D'ailleurs, il avait l'air furieux et m'a à peine dit bonjour. Dans quel état était son père lorsque vous l'avez trouvé ce soir-là? Plutôt en bonne forme, mais très énervé après son coup de fil. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a répondu « c'est à cause de mon fils, il a hâte de m'enterrer » ou quelque chose comme ça. Et quoi d'autre? Rien. Si, il m'a demandé de jeter à la poubelle une enveloppe qu'il avait sur les genoux. Vous l'avez jetée? Mais en fait, non. Je l'ai posé sur une pile de revues à côté de son bureau. Le rapport d'autopsie précise que M. Guéret est mort entre 18h et 18h30. Exactement le créneau horaire auquel vous étiez chez lui. Mais je comprends pas. Non, vous savez que le taux de morphine qu'on a retrouvé dans le sang de la victime est 10 fois supérieur à celui qu'on aurait dû trouver. Vous avez une explication à ça? Mais c'est impossible! J'ai suivi strictement l'ordonnance, j'ai doublé la dose, c'est tout. Parce que vous me soupçonnez de l'avoir tué? Tué? Le mot est surprenant dans votre bouche. D'habitude, les infirmières qui pratiquent ce genre de méthode disent plutôt qu'elles ont abrégé les souffrances de leurs patients, non? Mais vous croyez que j'ai pas eu le temps d'y penser pendant mes 5 ans de prison? Tous les jours, la voix de mon père résonnait dans ma tête. Fais-le, Camille, fais-le, je t'en supplie. Je savais bien que j'avais pas le droit de le faire, mais je l'ai tué, c'est ça la réalité. Vous avez dit, et je vous cite, avoir rangé votre matériel dans l'armoire à pharmacie. Or, il manque un flacon de morphine presque plein et une seringue. Vous avez dit que vous étiez arrivé vers 18h chez M. Guéret? M. Guéret est mort 25 minutes plus tard. Madame Deleuze ne niait pas à l'évidence. Si vous avouez, le tribunal en tiendra compte. Mais pourquoi j'aurais tué M. Guéret? Il était si gentil. Oui, il était tellement gentil qu'il vous a offert 50 000 francs. C'est dur, hein, de résister à la tentation, bien sûr. Madame Deleuze, trop de charges pèsent sur vous. Je suis dans l'obligation de vous signifier votre mise en garde à vue. Suivez-nous. Je peux prendre mon sac et mon manteau? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous l'emmenez à la... Camille n'a rien à s'approcher, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas, ça va. Tu veux bien appeler Noël à la DAS pour prendre des nouvelles de Mathieu? Oui, bien sûr. Thank you.
En tout cas, une chose est sûre, Isabelle, le vieux Guéret est bien mort d'une overdose de morphine. Maintenant, il faut trouver l'arme du crime pour confondre cette infirmière. L'arme du crime, comme tu y vas. Amie Deleuze affirme avoir rangé le flacon dans l'armoire de la salle de bain et jeté la seringue dans la poubelle. Oui, bien sûr. À moins qu'elle ne les ait rangées, comme tu dis, dans son sac à main, et qu'elle les ait jetées n'importe où, dans le caniveau, dans une poubelle, pour mieux dissimuler son forfait, c'est ça? Écoute, à toutes nos questions, ses réponses ont été cohérentes, c'est tout ce que je peux te dire. Elle aurait pu chercher à nous égarer, elle aurait pu revenir sur ses déclarations. Ben méfie-toi, elles ont une psychologie très particulière. Elles ont toujours l'impression d'être dans leur bon droit, ces infirmières-là. Ces infirmières-là, à t'entendre, on dirait qu'elle a décimé un hôpital. Je te rappelle qu'elle a été condamnée pour une seule euthanasie, celle de son père. L'affaire des morts suspectes de l'hôpital Saint-Charles, c'est un dossier bien distinct. Soit. Elle l'a fait une fois. Elle peut le faire une deuxième fois, non? Et puis t'as d'autres pistes? Écoute, Platon a découvert des empreintes de pas devant la chambre de la victime. Il les a identifiées. Il s'agit de chaussures de sport, des running. Tu connais? Ouais, c'est une marque très récente. Oui, non, je les connais pas, en effet. Alors, quand bien même Platon identifierait ce type et lui mettrait la main dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu effraction, il est rentré dans la maison? Non, c'est bien ça qui me chiffonne. Elle a peut-être un complice. À ce moment-là, il serait venu vérifier qu'elle agissait bien selon ses instructions. Tu vois bien que même si on retient cette hypothèse, ça nous ramène encore et toujours à cette infirmière. Oui, tu as raison. Elle nous a parlé aussi d'une grosse enveloppe que Guéret voulait lui faire jeter, donc Rivière est allée la récupérer. Je ne sais pas ce qu'elle contient, ni si ça a quelconque intérêt, mais je préfère ne rien négliger. Comme tu voudras. Ça t'arrangerait, hein, que cette Camille Deleuze soit innocente? Écoute, Philippe, c'est pas ça la question. Je mène mes enquêtes en toute objectivité. Ou alors change de métier, tu sais très bien. Mais je suis une maman, et je la vois mal se séparer de son enfant une deuxième fois. Vous avez fait une déclaration à l'assurance? Oui, bien sûr. Je vais prendre votre déposition. Bon, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle. Bonjour, Arnaud. L'adjudant chef est là? Dans son bureau. Merci. Entrez. Bonjour, Isabelle. Oh, bonjour, Olivia. Voilà l'enveloppe. Ah. Vous l'avez ouverte? Non, elle l'était déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce sont des bandelets de test. Vous savez, on les utilise pour sélectionner certaines essences de parfum. Ça sent bon, non? Oui. Platon, vous avez une minute? Bon, une minute, mais pas plus. Parce que c'est du boulot, vos readings, figurez-vous. Alors, Gilles Colberti avec mes sentiments respectueux. Ah, Platon, vous y connaissez en parfum? Ben voyons. Les parfums et les runings. Ce sont mes deux spécialités. Vous ne saviez pas? Vanille de synthèse. Lavande de synthèse. Jacinthe de synthèse. Chapeau, t'as du nez. Hein. Mais pourquoi t'ajoutes tout le temps de synthèse? Parce que je sais reconnaître un parfum naturel d'un vulgaire arôme chimique pour Savonnette, Francis. Et moi qui croyais que la maison Guéret ne fabriquait que des parfums naturels haut de gamme. Vous avez encore besoin de moi parce que les magasins de Running, ça n'attend pas. Non. T'oublies pas qu'on est jeunes ensemble. Non, mais notre adjudant-chef m'a engagé dans un marathon. Excuse-moi, on remet ça une autre fois. D'accord. Donc on va aller rendre visite à ce Colberti, hein? Ah, ça tombe très mal parce que justement, je dois aller chez le concessionnaire pour chercher ma nouvelle voiture. Roussillon. Bonjour, madame. Messieurs, dames. Bonjour, madame, gendarmerie nationale. Vous venez voir M. Colberti, s'il vous plaît. Vous prenez le couloir et c'est en bas de l'escalier à gauche. Merci. Excusez-moi, je cherche Monsieur Colberti. Oui, c'est moi. Gilles Colberti. Oui, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. J'enquête sur les circonstances du décès de votre patron, Monsieur Guéret. Oui. Je savais qu'il était très malade, je vous en prie. D'ailleurs, il venait plus à l'usine depuis plusieurs mois. J'étais loin de penser que c'était la dernière fois que j'entendais sa voix lorsqu'il m'a appelé l'autre soir. Vous lui aviez fait parvenir une enveloppe qui contenait des échantillons de parfums, je crois. Oui, c'était un projet que son fils voulait lui soumettre. Ça l'a mis hors de lui. Quel est ce projet, monsieur?
C'est un peu délicat, vous savez, tant qu'un produit n'est pas commercialisé, ça ne doit pas sortir de nos murs. Vous savez, nous enquêtons sur un meurtre, donc je pense que c'est une affaire plus grave que vos secrets de fabrication. Bon, ben voilà. François a l'intention d'ouvrir dans l'usine un secteur lessivier, c'est-à-dire tout ce qui concerne les parfums pour produits ménagers. Son père n'était pas d'accord, j'imagine. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La maison Guéret n'a toujours fabriqué que du haut de gamme, alors vous pensez, pour l'image de marque, qu'est-ce qu'il a pu me passer au téléphone? Tant c'est pas vous qui avez l'idée. Bien sûr que non. Mais M. Guéret m'a reproché de ne pas l'avoir mis au courant, et de notre côté, François m'avait demandé de garder le secret. Donc vous avez collaboré sur ce projet à l'insu de votre patron, quoi. Oui. Je m'en vais terriblement aujourd'hui, surtout après ce qui lui est arrivé. L'impression de l'avoir trahi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi François s'est lancé là-dedans. Non, franchement, je comprends pas. Vous avez bien se douter que son père n'accepterait jamais de signer avec un lessivier. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Colberti? 37 emplois sont menacés si on ne s'ouvre pas sur de nouveaux marchés. Alors vous pensez pas que ça mérite quelques petites concessions plutôt que de fermer l'usine et de virer tout son personnel? Ça, je suis sûr que mon père l'aurait compris. En tout cas, ce soir-là, vous n'avez pas réussi à le convaincre. Et il est mort peu de temps après. Vous voulez voir venir? À cette question précise, monsieur Guéret. Qu'avez-vous fait en sortant de chez votre père vers 18h? Non. Vous vous moquez de moi? Vous êtes en train de me soupçonner? Et nous n'en sommes pas encore là, monsieur Guéret. Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mais enfin, est-ce que je me souviens, moi, j'étais probablement dans ma voiture. Oui, j'avais un rendez-vous ici à 18h30. Du domicile de votre père jusqu'à l'usine, il y a un trajet d'environ 5 minutes en voiture. Vous auriez dû arriver vers 18h05. Mais je ne suis pas venu ici directement. Il a fallu que je fasse un saut chez un fournisseur. Son nom? Labarthe, les établissements Labarthe. Très bien, nous vérifierons. Merci, monsieur Guéret. Au revoir, monsieur Colberti. Au revoir. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont à me chipoter sur les horaires, ces gendarmes? Excusez-moi, François, mais l'établissement Labarthe, c'est pas possible. Quoi, c'est pas possible? C'est un inventaire, ce jour-là. C'était fermé. Vous occupez-vous de vos affaires, là. Mais vous avez rencontré un mensonge, François! Fermez-la, Colberti, c'est tout ce qu'on vous demande. Un peu tardif, son alibi, hein. Je pensais qu'il aurait voulu se débarrasser de son père en le jetant une nouvelle dose après le départ de l'infirmière. Uniquement parce qu'il lui aurait refusé son projet? C'est un peu léger comme mobile, non? Mais alors pourquoi il ne voulait pas que le docteur Morel nous appelle? Parce que si Morel ne nous avait pas alerté, personne n'aurait jamais été suspecté, hein. Ni Camille, ni le fils Guéret, ni l'homme qui chausse des running, et l'affaire était enterrée. Mm-hmm. Et en attendant, on se la collerait douce, c'est ça? Alors moi, une petite perme de 8 jours, ça ne m'aurait pas déplu, hein, et vous? Excusez-moi. Oui, Florent, j'écoute. Oui, passez-le-moi. Allô? Oui, monsieur Colberti. Excusez-moi de vous déranger, mais je voulais vous dire que François Guéret vous a menti. L'établissement Labarthe était fermé ce jour-là. Vous comprenez, je ne voulais pas devenir son complice par mon silence. De toute façon, je vais donner ma démission. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Voilà. Très bien, merci de cette information, monsieur Colberti. Au revoir. Guéret n'a pas d'alibi. Ah, mais ça change tout, là. Donc, François Guéret retourne chez son père. Profitant de son sommeil, il joue les infirmières à son tour, lui injecte une dose de morphine mortelle. Et le voilà les mains libres pour gérer son entreprise à sa guise et le tour est joué. Oui, si on veut. Mais vous voyez, Pierre, je me demande quand même si quelqu'un n'a pas intérêt à ce que Camille Deleuze retourne en prison. J'aimerais bien savoir pourquoi. Vous chercheriez pas midi à 14h par hasard? Allez, en route. Vous avez demandé à me voir? Oui, je viens d'écrire une lettre à mon fils et je voudrais qu'on la lui fasse parvenir. En garde à vue, vous n'avez pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Écoutez, c'est mon petit garçon. Je veux juste lui donner de mes nouvelles, lui dire que je pense à lui, que je l'aime. D'accord. Mais le règlement m'oblige à lire la lettre d'abord. Ensuite, j'irai chez madame Baseli, la lui remettre en main propre, ça vous va? Merci. Vous lui écriviez souvent en prison? Presque chaque semaine. Mais il me répondait jamais. Depuis votre libération, vous avez rencontré madame Baseli? Quand vous êtes venue me chercher au café, c'était la première fois. Elle avait l'air gentille. Et son mari? Lui, je l'ai juste croisé 2 ou 3 fois.
Vous êtes jamais parlé? Non, enfin rien d'important. En tout cas, ça avait rien à voir avec la mort de Monsieur Guéret. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ben, c'est-à-dire, Monsieur Bazelli m'avait proposé de l'argent pour conserver la garde de Mathieu. Il me harcelait pour que j'accepte, il me suivait partout. Mais j'ai refusé, bien sûr. Mathieu, c'est toute ma vie. Il me manque tellement. Courage, Camille. Ça va s'arranger. Vous n'oubliez pas ma lettre. Comptez sur moi. J'aurai jamais un moment pour aller chercher ma voiture. Moi. Oh, vous irez la chercher demain, c'est pas grave. Voilà, enfin, depuis le temps, quand même. Hein. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'ai une lettre de ta maman pour toi. Merci. Tu la lis pas tout de suite? D'abord, pourquoi elle m'écrit? Pour te dire qu'elle t'aime, sûrement. Elle aurait pu le faire avant. Je suis sûre qu'elle l'a déjà fait, non? Ah oui, quand ça? Dans ses précédentes lettres. Elle m'a jamais écrit, ma mère. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ah, vous venez reprendre Mathieu? J'en étais sûre. Non, pas du tout. C'est du ressort de la DAS, pas du nôtre. Vous savez, si on me l'enlève, ça va être dur pour lui. Et pour nous aussi. On s'est tellement attachés à cet enfant. Votre mari est là? C'est l'heure de son jogging, mais il devrait pas tarder. On peut entrer? C'est Julien quand il était petit? Non, c'est Benjamin, mon autre fils. Vous avez deux enfants? J'avais, oui. Benjamin est mort il y a 7 ans d'une leucémie. Il aurait eu 10 ans dans une semaine. Sylvain? Bonjour, monsieur. Henri, sois gentil, enlève tes chaussures. Elles sont pleines de boue, tu vas salir toute la maison. Oh, si tu peux être maniaque. Que vous venez faire chez moi? Monsieur Bazelli, nous avons appris que vous avez proposé une certaine somme d'argent à Camille Deleuze pour qu'elle vous laisse la garde de son enfant. C'est exact? N'importe quoi, voyons, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? De toute façon, cette femme va retourner en prison, alors forcément Mathieu va rester avec nous, hein? Réfléchissez bien, monsieur Bazelli. Ou c'est elle qui a menti, ou c'est vous? Peut-être que vous préférez nous accompagner à la gendarmerie pour une confrontation avec elle? Ah ouais? Alors c'est ma parole contre celle de cette femme? À vous de choisir. Henri, dis-moi que t'as pas fait une chose pareille. C'est horrible. Mais pourquoi veux-tu? Ah, plutôt quoi tu te mêles? Mais tu te rends compte, Henri? Si tu as fait ça, on va nous retirer Mathieu pour de bon, même si elle retourne en prison. C'est pour toi que j'ai fait ça. Pour que tu sois heureuse. Que tu penses plus à notre petit Benjamin. J'étais prêt à tout. J'ai vidé toutes nos économies, mais ça m'était égal du moment que t'allais pas te remettre à pleurer si Mathieu nous quitte. Madame Bazelli, où sont les lettres que Camille Deleuze envoyait régulièrement à son fils? Quelles lettres? J'ai jamais rien reçu. Vraiment? Le facteur aura oublié de vous les apporter? Monsieur Bazelli, soyez gentil, nous donnez vos chaussures de sport, celles qui sont ici. Nous les emportons à la gendarmerie. Ce type avait de bonnes raisons de faire remettre Camille en prison. Et si les empreintes de ces baskets correspondent, on va faire gagner un temps précieux à Platon. Moi, ce qui me préoccupe davantage, Francis, c'est pourquoi la DAS a confié cet enfant à une famille déjà fragilisée par la mort de Benjamin. Vous savez, le recrutement des familles d'accueil fait l'objet d'une enquête sociale et psychologique très poussée. Mais oui, justement.
Comment elle s'appelait, cette femme qui était à la terrasse du café avec Camille Deleuze l'autre jour? Noël, je sais pas son nom. N'avez pas envie de la connaître un petit peu mieux? Excusez-moi, vous êtes Isabelle Florent? Oui, pourquoi? Mon oncle m'a beaucoup parlé de vous. C'est vrai que vous êtes très jolie. Ah, oh, c'est très gentil. Et c'est qui, votre oncle? Pierre Roussillon. Oui, il m'a promis de me loger quelques jours chez lui. J'ai un concert à Avignon demain soir. Ah bon? Je vais vous le chercher, ne bougez pas. D'accord, merci. Là, tu ferais quoi, toi? Moi, je prendrais le fichier Christian et j'improviserais. Donc, Roussillon, c'est pas une pension de famille, hein, cette caserne? Pension de famille? Regardez par la fenêtre. Ah, c'est Thomas, c'est mon neveu. J'avais complètement oublié qu'il venait. Oh, bon, je l'accompagne à mon appartement, je reviens. C'est autorisé, ça? Je sais pas, Rivière. J'ai la liste. Enfin, une première liste. 38 magasins visités. 21 km de marche. 7 heures de travail. 67 acheteurs de running qui ont payé en chèque ou en carte bleue. Voilà. Beau boulot. Merci. Justement, j'ai ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les runnings d'un client. Si jamais elle était sur ta liste. Vous me faites travailler pour rien, quoi? Pas du tout, on t'aide. T'aurais quand même pu les nettoyer, non? Elles sont dégueulasses. Pour que tu m'engueules. Tiens, rien. Baseli, tout se recoupe. Ça t'ennuie de vérifier si les empreintes correspondent? Oui, bon, ça va, j'ai compris. Merci de ton aide. T'oublies pas qu'on déjeune ensemble tout à l'heure? Ouais, un autre jour. T'as compris quelque chose, toi? Bah ouais, c'est hyper facile. Ça me gonfle, les maths. Mais attends, t'es dans les premiers l'année dernière. Je comprends pas que t'aies décroché comme ça. Bah tant pis, je redoublerai. Dommage. Bon, allez, ciao. Attends. Je peux faire un bout de chemin avec toi? J'ai pas trop envie de rentrer chez moi. Ouais, si tu veux. T'as des problèmes chez toi? Non, non. T'occupe, tout va bien. Ah, mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah, allez, donne-moi ta main, c'est trop bien. Hey, tu rends son Walkman. On se connaît, dis donc, monsieur. Je voulais juste ici maintenant. Barrez-vous, les petits cons. T'as pas honte de t'en prendre aux filles? Alors, tu lui rends son Walkman? Tu déconnes, là. C'est pas un jouet, ce truc-là. Tu fais moins le malin maintenant, hein? Hey, dégage! Non, non, attends. Donne-moi mon blouson d'abord. Pauvre naze. Et mon couteau? On se fout les gars, figure-toi, pour t'éviter de faire d'autres bêtises. Vous en faites pas, les gars, on se retrouvera. Ouais, c'est ça. Merci. Heureusement que vous étiez là, vous avez drôlement assuré, vous. Bah, tu sais, nous on est gentils, mais faut pas trop nous embêter, tu vois. Eh ouais. Ouais, ciao. Ciao. On y va? Ouais. La teinturière m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ton blouson. C'est quoi cette histoire? Nico, tu m'entends? C'est normal, il est dans mon placard. Mais qu'est-ce que tu m'as raconté alors l'autre jour? Ben en fait, je l'avais prêté à un copain. Il avait flashé sur une fille et il voulait se faire beau pour l'inviter. Ça te fiche de moi, Nicolas. Ça, c'est comme le billet de 200 francs de l'autre jour. Avoue que tu l'as dépensé, parce que ton histoire de cheval qui va à la boucherie, c'est n'importe quoi. Ouais, d'accord, j'ai compris. Je te dirai plus rien maintenant. Qu'est-ce que tu t'es fait au front? Mais rien, je me suis cogné sans faire exprès. T'as désinfecté, au moins? Mais oui, t'en fais pas. Mais si, je m'en fais. J'ai ta maman, je m'en fais. Je vois bien que tu t'es bagarré. Ah, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu me le dirais si tu avais des ennuis. Des ennuis? Mais quels ennuis? Y a pas de problème. Tout va bien. Et au fait, elle avance ton enquête? Oh, écoute, ne change pas de sujet, hein, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Juste un type qui embêtait une fille. Alors je suis intervenu. Mais ça, c'est encore un mensonge, ça. Eh ouais, décidément, on peut rien te cacher à toi. Bonjour, gendarmerie nationale. Je souhaiterais parler à Noël Février, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer? L'adjudant Rivière.
toi, Noël. La gendarmerie. Ah, bah, je suis contente de vous voir, parce que je sais plus à quoi m'en tenir, moi. Camille peut-elle récupérer son fils, oui ou non? Ça ne saurait tarder, je l'espère. Est-ce que vous comprenez, c'est très perturbant pour les Basali. Un jour, je leur annonce que Mathieu va retourner avec sa mère, et puis aujourd'hui, apparemment, Camille a des problèmes. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour commencer, vous allez tout simplement me montrer le dossier des Basali. Il est bien ici, non? Bien sûr. Madame Basili est une amie de toujours, alors je me suis occupée personnellement de son dossier. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? La photocopie du livret de famille. Ouais, bien sûr. Et c'est vous qui l'avez certifié conforme? Oui, c'est obligatoire. Mmh. C'est curieux. Je vois bien le nom de Julien, né le 21 mars 1987, mais je vois pas celui de Benjamin. Vous savez, leur deuxième fils, celui qui est mort d'une leucémie à l'âge de 3 ans. Benjamin? Jamais entendu parler de cet enfant. Vous m'avez dit tout à l'heure que Madame Basselli était une amie de toujours. Alors, mademoiselle, dites-moi la vérité, nous allons gagner du temps. Je vous écoute. À la mort de son fils, Colette a fait une dépression. Pendant des mois, elle m'a supplié de lui trouver un enfant pour remplacer son Benjamin, mais à la fin, j'ai cédé. Je me suis laissée convaincre. Et vous avez falsifié la copie du livret de famille en effaçant le nom de Benjamin. Pourquoi? Parce qu'aucun juge n'aurait confié le petit Mathieu à une famille qui avait vécu un tel drame. Non, moi, j'ai fait pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle oublie son Benjamin. Bah, c'est un très mauvais service que vous l'avez rendu là, mademoiselle. Quand on lui reprendra le petit Mathieu, elle subira à nouveau un traumatisme. Et vous en serez responsable. Je ne sais pas si je ne devrais pas avertir votre hiérarchie. Je sais que j'ai commis une faute. Mais j'avais pas le choix. M. Guérir l'a vérifié. Les établissements Lavarte étaient fermés le jour de la mort de votre père. Donc il va falloir que vous nous fournissiez d'autres explications sur votre emploi du temps entre 18h et 18h30. Écoutez, ça ne vous regarde pas et je n'ai rien à vous dire. Détrompez-vous. Si vous avez menti... En tout cas, ça n'a rien à voir avec la mort de mon père. Vous aviez pourtant de bonnes raisons pour souhaiter qu'il meure le plus vite possible. De préférence, avant la date qui vous était imposée par une marque de lessive pour signer un contrat. Vous tombez mal. Mon père m'avait donné son pouvoir, je n'avais pas besoin de sa signature. Bien, alors je vous répète ma question. Qu'avez-vous fait entre 18h et 18h30, monsieur? J'avais rendez-vous avec un type pour lui acheter ça. Bien. Vous voyez? Pas difficile de dire la vérité, hein? Alors vous me donnez le nom de votre dealer, puis je vous laisse tranquille, d'accord? Vous n'allez quand même pas me faire des difficultés pour quelques grammes de coke, non? Bien sûr que si, monsieur Guéret. Bien sûr. Alors? Non. Adresse. Bonjour, passez-moi le service des archives, s'il vous plaît. Oui, oui, je patiente. Bonjour, je suis l'adjudant-chef Laurent. Je vous ai demandé de me transmettre le dossier 8046B. Je l'attends toujours. Oui, l'affaire des euthanasies de l'hôpital Saint-Charles, ça remonte à 5 ou 6 ans à peu près. Ah bon? Et depuis quand? Bon, très bien. Mais je vous remercie. Au revoir. C'est le dossier des euthanasies à l'hôpital Saint-Charles, mais je ne peux pas vous le communiquer. Je suis désolé, madame. Pourquoi? Je ne comprends pas. Cette affaire remonte à 5 ou 6 ans, je crois, et elle a été jugée. C'est exact, mais un élément nouveau est apparu et la procédure nous oblige à reprendre l'instruction depuis le début. Il s'agit d'une lettre écrite à la main par un patient de l'hôpital, M. Roger Lamory. Un extrait de son journal intime juste avant sa mort est retrouvé par son fils. Il nous a été communiqué par son avocat.
Le document est authentique, nous avons vérifié. Tenez, lisez. Merci. Aujourd'hui, je me sens libérée. L'infirmière a enfin accepté de faire ce que je lui demande depuis des jours. Elle a promis de m'aider à mourir dans la dignité. Ce soir, elle viendra et grâce à elle, tout sera terminé. Il n'y a pas de nom d'infirmière dans cette lettre. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce serait Camille Deleuze ? Il se trouve qu'elle était de service ce soir-là à l'hôpital. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des dizaines d'infirmières dans cet hôpital. Vous savez, après son arrestation, les langues se sont un peu déliées. Certaines infirmières nous ont fait part de leurs doutes sur tel ou tel malade, des morts un peu rapides, un peu soudaines. Nous avons la liste. Roger Lamoury figure, évidemment. Donc c'est d'après le témoignage de ces infirmières que vous avez isolé des cas suspects ? Oui, 5 exactement, en moins d'un an. Et chaque fois Camille Deleuze était de service. Ce sont de graves présomptions, vous en conviendrez. Elle aura euthanasié 5 patients avant son père ? Ce ne sont que des hypothèses. Mais la réouverture du procès me paraît justifiée. Je vais donc décider très prochainement de sa mise en examen. Allô, chérie, ça y est, on l'a. Mais non, pas par la fenêtre, descends. Elle est vachement belle, hein. J'aime bien ce gris métal. Hein. Très joli. Hein. C'est surtout pour faire plaisir à Christine. Ah, oh bah, bien sûr. Avec ce genre de peinture, ça fait des marques. Ah, tu es pas maniaque, toi. Non, hein. Je suis soigneux, c'est pas pareil. Ça va, Christine? Oui. T'as gâté, hein? Mm-hmm. Ah, mais le toit ne s'ouvre pas totalement? Bah, toi au vent, c'est pas décapotable. Ah bon? C'est quoi ce potin? C'est Thomas, mon neveu, tu sais. Il joue de la guitare, il est artiste. Je vous laisse. Hein. Alors, tu veux l'essayer? Donc, hey, t'es complètement dingue, hein. Tu fous l'ampli à fond, t'entends à 10 km, enfin. Excuse-moi, tonton, je m'en suis pas rendu compte. Non, tu comprends, je répète pour le concert. Ça te plaît comme thème? C'est vachement bien, Nino. Hein. Mm-hmm. Ah oui, ça me plaît, hein, mais c'est beaucoup trop fort, c'est tout. Hein. C'est une de mes nouvelles compos. Hein. Ça sera sur mon prochain album. Tu vas sortir un disque? Ah ouais, c'est le troisième. Et celui-là, je peux te dire qu'il va cartonner. Bah, dis donc. Tu gagnes ta vie, ça va? Ouais, ça va, ouais. Il y a des soirs, on se fait jusqu'à 3000 euros. 3000 euros de 18 000 francs, quoi. Ouais, c'est ça, par musicien. 18 000 francs par musicien? Ouais. Bah, c'est cool, ton boulot, hein. Non, 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 dis pas ça, non. C'est pas tout le temps facile, hein. Tu sais, on se couche tard, on est tout le temps à droite, à gauche. À force, ça fatigue. Eh oui, oui, non, je comprends, c'est sûr. Non, c'est fatigant, oui, mais enfin, bon. Tu me fais un petit morceau, là, pour voir? Ouais, si tu veux. Allez, vas-y. Plus bas, t'as l'allume-cigare. Mais attention, on fume pas dans la voiture. Bon, alors, sur le levier de vitesse, c'est indiqué. Oui. Première, deuxième, mm-hmm. troisième. Là-bas, t'as la marche arrière. Oui. Tu vois, tu peux pas te tromper. D'accord. Allez, à toi. D'accord. J'avais du mal t'expliquer pour les vitesses. Excuse-moi. T'inquiète pas, on avait pris une bonne assurance. Tu m'en veux? Oui, entrez. Philippe, j'arrive de chez le juge d'instruction et le parquet a demandé la réouverture du procès des euthanasies de l'hôpital Saint-Charles. Oui, je sais, le procureur vient de me prévenir. Et entre parenthèses, tout ça ne fait que confirmer mon opinion sur la culpabilité de cette Camille Deleuze dans la mort du vieux Guéret. Hein. À mon avis, elle n'était pas à une euthanasie près. Son père, je veux bien, mais pour le vieux Guéret, j'y crois de moins en moins. En plus, je trouve que cette femme n'a pas le profil. Mais tu l'accuses, pourtant, y compris ses 50 000 francs dont son compte a été crédité. Tu sais, Philippe, j'ai le sentiment que quelqu'un cherche à la faire plonger. D'ailleurs, c'est toi qui as fait germer cette idée dans ma tête. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Mais c'est toi qui m'as parlé de ces infirmières qui utilisent du potassium pour que leurs gestes passent inaperçus.
Tu m'as dit, ce sont des morts qui ne laissent pas de traces. Oui, potassium, morphine, le résultat est le même. Non, justement, Philippe. La morphine laisse des traces. D'ailleurs, l'autopsie l'a confirmé. Comme s'il fallait absolument qu'on trouve des traces dans le corps du vieux Guéret, tu vois, pour dire c'est Camille qui l'a tué, on en a la preuve. Écoute, si ça s'était passé à l'hôpital, elle aurait utilisé du potassium, comme elle l'a fait pour son père, d'ailleurs. Seulement là, elle a pris ce qu'elle avait sous la main, elle n'avait pas le choix. De la pensée qu'elle est responsable de toutes les euthanasies, il n'y a qu'un pas que tu n'hésites pas à franchir. Hey, Isabelle, s'il te plaît, laissons le soin aux jurés de se prononcer le moment venu, d'accord? Nous, notre mission et notre enquête se limitent exclusivement à savoir qui a tué le vieux Guéret. Je sais. Je pense quand même que toutes ces affaires sont liées. Et si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais faire un petit tour à l'hôpital Saint-Charles. C'est ça. Et s'il te plaît, pas avec des gros sabots, hein. Comme d'habitude, Philippe. Votre mari peut rentrer chez lui. Nous n'avons aucune raison de le garder ici. Mais vous allez continuer à le suivre? Bien sûr, très régulièrement. Enfin, en ce qui concerne les soins à domicile, il faudrait une infirmière. Si vous voulez, je peux vous en recommander une excellente. Mon mari va être tellement heureux de se retrouver chez lui. Et quand va-t-il arriver? Tout est organisé. Il sera chez vous ce soir. Ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, je la recevoir. C'est ici. Ah, madame Florent, j'espère que vous m'annoncez de bonnes nouvelles. Asseyez-vous, je vous en prie. Si c'est à Camille que vous pensez, hélas, non. Elle risque d'être à nouveau mise en examen et pour des euthanasies plus anciennes. Je sais que le parquet envisage une réouverture de la procédure. Mais Camille a déjà été jugée, elle a payé, je crois, non? Oui, pour la mort de son père, mais pas pour celle de monsieur Roger Lamoury, je crois. Je sais. À l'époque, nous avions tous trouvé sa mort un peu trop soudaine. Est-ce que Camille était de service ce soir-là à l'hôpital? En effet. De forts soupçons pesaient sur elle, mais ce n'était que des soupçons, pas des preuves. Qui a constaté le décès? La surveillante, mademoiselle Tardy. Je pourrais lui parler? Bien sûr. Sonia? Oui, docteur? Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, quelques minutes à consacrer à l'adjudant chef Florent de la gendarmerie? J'allais partir, mais je l'attends dans le bureau des infirmières. Merci. Je vais vous indiquer où c'est. Merci. C'est la deuxième porte sur votre gauche. Merci. Ah, docteur, j'allais oublier. Oui. Lorsque Camille est venue chercher le sachet qui contenait votre ordonnance ainsi que le matériel de soins pour M. Guéret, qui le lui a remis? C'est moi. Pourquoi cette question? Et c'est vous qui l'avez rempli? Non, j'avais demandé à ce qu'on me le prépare. Mais demandez donc à Sonia, elle saura mieux vous répondre que moi. Très bien, merci, docteur. Et pardon d'avoir abusé de votre temps. Ah, c'est vous, l'adjudant-chef? Je m'attendais à voir un homme avec des grosses moustaches et un képi. Ah, mais les temps changent, mademoiselle Tardy. Tant mieux. C'est plus agréable de parler à une jolie femme. Le docteur Morel m'a dit que c'est vous qui aviez constaté le décès de Roger Lamoury. Vous vous en souvenez? Oui. La mort d'un patient est toujours un événement marquant pour une infirmière, madame. On s'en veut toujours de ne pas avoir été là pour lui tenir la main dans ses derniers instants. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je préfère ne pas reparler de ces choses-là. Ces choses-là, vous voulez dire les euthanasies? Oui, ces pratiques ont instauré un climat épouvantable dans notre service. Tout le monde soupçonnait tout le monde. Tout le monde, et en particulier Camille Deleuze, n'est-ce pas? Vous la connaissiez bien? Camille, oui, très bien. Elle travaille avec moi. Une fille formidable, très courageuse. C'est vraiment triste ce qui lui est arrivé. Il n'empêche qu'elle était de service le soir de la mort de Roger Lamoury, n'est-ce pas? Oui, elle aurait dû. Comment ça, elle aurait dû? En fait, ce soir-là, son bébé avait une grosse fièvre et elle m'a demandé si elle pouvait quitter le service. Et vous l'avez remplacée? Oui, j'avais une autre infirmière sous la main, Valérie Beauchamp. Elle était d'accord. Et elle est toujours là, cette Valérie? Non, elle nous a quittés peu de temps après. De vous à moi, ça n'a pas été une grosse perte. Je me demande même si elle avait son diplôme. Et elle est toujours dans la région? Vous ne savez pas? Elle s'est fait épouser par le docteur Morel. Alors évidemment, depuis, son train de vie a changé. Encore une question, mademoiselle Tardy. Le sachet qui contenait les médications pour M. Guéret, c'est vous qui l'avez rempli? Ben, naturellement, oui. Et je l'ai déposé sur le bureau du docteur Morel. Il tenait à le remettre personnellement à Camille. Et la morphine, vous la prenez où? Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer. Merci.
Voilà, c'était la prescription du docteur Morel. Morphine 10. Mais, et ça, c'est quoi? Ça, c'est aussi de la morphine, mais en 10 fois plus concentrée. Morphine 100. Mais les flacons sont identiques. Si on fait pas attention, on peut se tromper, non? Vous plaisantez, j'espère. Qui a les clés de ce local? Uniquement les surveillantes et les médecins, évidemment. Mais je vous remercie, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Alors, Camille, vous tenez le coup? Oui, si on veut. Au moins, en prison, on a de la compagnie, mais là, la solitude, c'est dur. Je suppose que c'est fait exprès pour que je finisse par avouer. Juste une question, Camille. Lorsque vous avez sorti le flacon de morphine du sachet, est-ce que vous avez regardé l'étiquette? Bien sûr, c'était marqué morphine 10. Le flacon était juste un peu plus gros, c'était normal puisqu'on devait doubler la dose. D'accord. Et Mathieu, il a reçu ma lettre? Je lui ai apporté, oui. Et il l'a lu? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne lui demandez pas vous-même? Là, maintenant? Parce que je suis libre? Provisoirement, oui. Merci. Voilà, j'ai rassemblé toutes ces affaires. Mais il y a encore les jouets. Il faudra revenir les prendre. Mathieu? Oui, Manon. Tu descends? Et si tu embrassais ta maman? Ce serait une bonne idée, tu crois pas? Oh, mon chéri. On va vivre ensemble, hein? Et Manon, on continuera à la voir? Mais bien sûr, autant que tu voudras. Tenez, ce sont vos lettres. Je vous expliquerai. J'aurais jamais dû faire ça, mais je voulais Mathieu pour moi toute seule. Je vous en pardon. Ça arrive un jour ou l'autre. Tu peux pas comprendre, Julien. Mathieu, c'est... Mais moi aussi, j'existe. Et moi, je suis ton vrai fils. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Mathieu? Mais Benjamin était comme lui, tendre, affectueux. Et moi, tu m'aimes pas, c'est ça? D'ailleurs, tu m'as jamais aimé. Mais non, c'est pas du tout ça, Julien. Mais attends. Lâche-moi. Contre moi, Julien, je t'interdis. Je vais me gêner, tu vois. Julien! Tiens, regarde ce que je fais de Benjamin. Ça fait 7 ans qu'il est mort, mon petit frère. Et j'en ai marre de tout cinéma, tu comprends ça, putain? Allez, Julien, je t'en prie. J'en ai marre, j'ai marre avec les mains, j'en ai marre. Moi aussi, j'existe. Moi aussi, j'ai besoin d'amour, merde. Ah, Julien, c'est bien que je t'aime. Lâche-moi. C'est trop tard. Encore mieux que chez Manon. Elle est pas à moi, tu sais. Elle appartient à des amis qui sont très gentils. Ah, mais ils ont même une piscine. Tu sais nager? Ça fait longtemps que tu parles, c'est Julien qui m'a appris. Je sais plonger aussi. Camille. Est-ce que je suis contente de te voir? Ah, moi aussi. Oui. Ça y est, ils t'ont lâché? Oui. Alors, ils ont trouvé le coupable? Je sais pas. Mathieu, viens dire bonjour à Valérie. Qu'est-ce qu'il a grandi? Je l'aurais jamais reconnu. Bonjour, Mathieu. Bonjour, madame. Est-ce que je peux me baigner, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais d'abord, je vais te montrer ta chambre. Vous venez? Oui. Oh,
Pour moi tout seul? Oui. Ta maman, elle a la chambre à côté de la tienne, ça te va? Ouais. Tu sais, Valérie, je me sens un peu gênée de m'incruster comme ça chez toi. Maintenant que je suis un peu tranquille, je vais me trouver un appartement. Te fais pas de soucis, Camille. Tu restes ici autant que tu veux. Bien. Messieurs, pour l'instant, nous disposons de deux pistes. Deux personnes qui avaient intérêt à injecter une dose mortelle de morphine au père Guéret. Son fils, François, et Henri Bazelier. Platon, vous avez pu comparer les runnings de Bazelier aux empreintes que vous avez relevées près de la fenêtre? Oui, bien sûr. Les bonnes nouvelles, ce sont les mêmes. Alors, semelle droite légèrement plus usée au talon, manque de relief au niveau du gros orteil gauche, et fissure de 2 cm, semelle droite, côté gauche. Tout concorde, quoi. Tu peux nous épargner les détails, s'il te plaît, parce qu'à chaque fois, il y en a pour 3 heures. Mon cher Pierre, c'est souvent à coup de petits détails qu'on finit par coincer les grands criminels. Bon, qu'est-ce que nous savons sur Bazelier? Nous savons qu'il a poursuivi Camille pendant plusieurs jours pour lui offrir un gros chèque en échange de Mathieu. Nous savons qu'il l'a vu par la fenêtre faire cette injection. Nous savons qu'il n'est pas rentré dans la maison et qu'il n'avait aucune raison de savoir que cette injection serait mortelle. Donc je pense qu'il est hors de cause. Maintenant reste le fils Guéret. Ah ben, le fils Guéret, il nous a trouvé un super alibi, ce garçon. Et vous savez où est-ce qu'il était entre 18h et 18h30? Il avait rendez-vous avec son dealer qui lui fournit de la coke. Vous avez vérifié? Bien sûr, oui, il nous a donné son nom et son adresse, on n'a pas eu de mal à le serrer, hein. Il a tout avoué. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Si c'est pas Bazelier, si c'est pas le fils Guéret? Rien. Christine a baigné ma voiture, si ça vous intéresse. Oui, on sait, mais nous avons beaucoup tout ça, hein. Pardon. Moi, je sais qui est le meurtrier. Ou plutôt la meurtrière. C'est Camille Deleuze. Pourquoi vous l'avez libérée, alors? On aurait pu prolonger sa garde à vue. Parce que Camille Deleuze a fait une injection, mais qu'elle ne savait pas que cette injection serait mortelle. La nuance est là. En fait, ce flacon ne contenait pas de la morphine 10, mais de la morphine 100. 10 fois plus concentrée, donc mortelle. Surtout en double dose, comme l'avait prescrit le docteur Morel. Donc ça voudrait dire que l'infirmière qui a mis ce flacon de morphine 100 dans le sachet Kraft s'est trompée. Ou quelqu'un a échangé les flacons juste avant de remettre le sachet à Camille. Pourquoi pas le docteur Morel? Bon, attendez, pourquoi le docteur Morel aurait-il voulu faire mourir son propre patient? C'est absurde. Merci du compliment, Patrick. Pourquoi le docteur Morel a-t-il tant insisté pour nous prouver que ce décès lui paraissait anormal, selon ses propres mots? Pour nous offrir sur un plateau la coupable idéale, dont le passé était déjà chargé d'euthanasie. Dans quel intérêt? Je vous suis pas. Réfléchissons. Camille Deleuze sort de prison. Morel apprend que le parquet a demandé la réouverture de la procédure parce qu'un certain Roger Lamoury avait été euthanasié. Ce soir-là, Camille Deleuze s'est fait remplacer par une certaine Valérie. Valérie Beauchamp, future madame Morel. Attendez, vous voulez dire que Valérie aurait pratiqué toutes ces euthanasies, ainsi que celle de Lamoury? Probablement. Et Morel, voyant que cette affaire allait ressurgir, a pris peur. Et il a fait peser tous les soupçons sur Camille plutôt que sur sa femme. Oui, mais toujours est-il qu'on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Ce fameux flacon de morphine 100. Morel l'a subtilisé quand il a constaté le décès du père Guéret. Rien de plus facile. Ça se tient, non? Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend pour aller lui rendre visite? On est parti. Dites-moi, Sonia, ça s'est bien passé avec la gendarmerie? Oui, oui, très bien. Elle se demandait si j'avais pas mis de la morphine 100 au lieu de la morphine 10 pour les soins de M. Guéret. Il n'a quand même pas commis de telle erreur. C'est ce que je lui ai dit, mais de vous à moi, il y a quand même un mystère. C'est bien de la morphine 100 qu'on a décelée à l'autopsie. Peut-être Camille a forcé sur la dose par inadvertance, qui sait. Pourquoi avez-vous prétendu qu'elle était en service le soir de la mort de M. Lamoury? Parce que c'est la stricte vérité, hélas. Ah oui, c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est faux, espèce de salaud. C'est ta petite Valérie qui l'a remplacée ce soir-là. C'est elle qui l'a aidée à mourir. Tu sais très bien que c'est elle. T'as la trouille maintenant, hein? Mais ne t'imagine surtout pas que je vais me taire. Tu m'as assez fait souffrir comme ça. C'est parce que je me suis mariée avec Valérie, tu veux me faire chanter? Parce que tu considères que tu t'es fait larguer, c'est ça? Pourtant, jusqu'à présent, t'as pas eu à te plaindre de mes services, il me semble, non? Ton sale pognon contre mon silence, tu peux te le garder. T'es une sale ordure. Tiens! Allô?
Oui. Elle vient d'arriver avec son fils. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air contrarié. Cet imbécile de Sonia est en train de nous foutre dans la merde. Faut vraiment faire quelque chose. Depuis le temps que je te demande de la virer, celle-là. Oui, mais écoute, si tu crois que c'est facile, toi. Écoute, j'ai une petite idée. Je te rappelle juste après, d'accord? D'accord. Mais en tout cas, sois prudente. Faut la jouer fine. Je t'embrasse. Madame Florent, je ne m'attendais pas à vous voir de si tôt. Que puis-je faire de nouveau pour vous être utile? Docteur Morel, le jour de la mort de M. Guéret, votre surveillante Sonia vous a apporté un sachet qui contenait de la morphine 10. Lorsque vous l'avez remis à Camille, c'est de la morphine 100 qu'il contenait. Il vous a suffi de changer l'étiquette, rien de plus simple. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve de toute manière. Rien de plus simple non plus que de s'utiliser le flacon et la seringue le lendemain matin dans l'armoire à pharmacie lorsque vous êtes venu constater le décès de M. Guéret. Je me trompe? C'est absurde, totalement absurde. Docteur Morel, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de M. Guéret. Mais M. Guéret, enfin vous plaisantez, c'était mon patient, un homme dont je m'occupe depuis des mois avec le plus grand soin. Vous délirez. Laissez-moi passer. Rivière! Gardez votre sang-froid, docteur, vous allez en avoir besoin. Je n'ai rien fait. J'ai juste essayé de protéger ma femme. Elle est trop fragile. Suivez-nous. Allez. Tiens, Camille. Tu veux signer ça, s'il te plaît? Je reconnais avoir pratiqué l'euthanasie sur Louis Guéret à sa demande et préfère mourir avec mon fils plutôt que d'être à nouveau séparée de lui. Mais t'es complètement folle. Tu te dépêches, tu signes. Mais ça va pas bien. Tu le sais que c'est pas moi. Tu signes maintenant. Range ça tout de suite. Arrête, qu'est-ce que je t'ai fait? Maintenant, je peux te le dire. Les euthanasies à l'hôpital, c'était moi. Oui, c'était moi. Je pouvais plus supporter de voir souffrir les malades. C'était devenu un cauchemar. De toute façon, ils étaient condamnés, alors quelques jours de plus ou de moins. Et moi, ça me soulageait, tu comprends? Tu as bien fait pour ton père, toi aussi. Mais mon père, ça n'a rien à voir, mon père, il me l'a demandé. C'est pareil, alors tu signes. Je veux pas signer. Lâche-le! Non, non, signe! Pourquoi fais ça, Valérie? Signe! Dépêche-toi. Dépêche-toi! Dépêche-toi. Très bien, toi, tu poses ça par terre. Voilà. Tu me suis. Non, non, je veux pas. Avance. Avance. Doucement. Par là, prends le volant. Doucement. Maman. C'est ce qu'elle te dit, Mathieu. Ah, monte, dépêche-toi. Dépêche-toi. Démarre. Démarre, je t'ai dit. Guéret, arrête-toi là. Arrête-toi, je te dis. Descends. Allez, avance. Tu vas pas nous tuer, ça sert à rien. T'as raison. L'accident, ce sera plus discret. Vas-y, m'oblige pas de pousser. Non. Monte. Tu verras, c'est facile, t'as juste à te jeter dans le vide. C'est moi! Oui, c'est moi! C'est moi qui te guéris! Arrête!
Et toi, recule maintenant. Maman, j'ai peur. Fais ce que je te dis. Je te supplie. Non. Sonde. Valérie, lâchez votre main. Lâchez cette main, Valérie. Nous savons tout, votre mari a avoué. Vous en prendre à Camille, à son fils ne servira à rien. Valérie, jetez cette arme. Non. Mes malades. Je voulais juste les aider à mourir. Je ne peux pas me juger pour ça. Mais j'ai rien fait. C'est fini maintenant. Emmenez-la, messieurs. J'ai rien fait. Je sais pas comment vous remercier. Sans vous, je... C'est rien. Je fais que mon travail. Ne vous inquiétez pas. Le plus important maintenant, c'est lui. Il a besoin d'être aimé par sa vraie maman. Et croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est vrai qu'on se connaît à peine, tous les deux. Il y a une question à laquelle vous n'avez jamais répondu. Et pourquoi M. Guéret a versé 50 000 francs sur votre compte? Mais elle a dit qu'il me les prêtait pour trouver un appartement. Qu'il vous les prêtait? Mais vous inquiétez pas. Dès que je pourrai, je rembourserai son fils. Ça ne me regarde plus maintenant. C'est votre vie. Bon courage.